Good day, ladies and gentlemen. I am Claire Fenangi, Communications Assistant at the Denis and Eleanor Ferreta Foundation, welcoming you to this webinar organized by the CALFO Policy Institute within the framework of the project Private Health Insurance Coverage in Cameroon. The theme of today's webinar is Healthcare Providers Initiatives to Promote Private Health Insurance. And moderating today's event is no other person than Dr. Ghislaine Brunner. Dr. Ghislaine Brunner is a senior researcher in global health and public health at the CAFO Policy Institute. She recently ended a postdoc at the National Institute of Health, working between the Laboratory of Immunogenetics and the Laboratory of Malaria and Vector Research. She has served as part-time lecturer at the Evangelical University of Cameroon and has been mentor at the Cynthia Research Academy. Dr. Brunner holds a bachelor and master's degrees in epidemiology and public health and a PhD from the Sapienza University of Rome in infectious diseases, microbiology and public health. Amongst other experiences, Dr. Brunner serves as a reviewer of MDPI journals and a journal of public health in Africa, and she is our special moderator for today. Ladies and gentlemen, thank you once again for joining us. We invite you to use the chat box in case of any questions or contributions that you might have in the course of the discussion. We'll also have a question and answer session at the end of these discussions. Dr. Brunner, thank you once more for accepting to moderate this event. The floor is yours. Thank you, Ms. Fenangi, for giving me the floor. Ladies and gentlemen, good morning, good afternoon, or good evening from wherever you are. Thank you for joining us this afternoon for the 8th panel discussion under the project Reducing Barriers to Private Health Insurance in Cameroon, which is also known as the PED resources, where public and governmental actions are not sufficient to ensure healthcare coverage for every citizen. Private initiative must be encouraged, yet there is still a long way to go for people to get to know private health insurance better or even to trust the process and subscribe to insurances. In that light, today we will be discussing about healthcare providers' initiatives to promote private health insurance. In French, the topic will be Initiative des prestataires de soins de santé dans la promotion de l'assurance santé privée. To ensure that we will identify and understand concrete actions raised by healthcare providers to promote private health insurance in Cameroon, we will have four brilliant minds with us in this panel. First one is a general practitioner. He went to the Faculty of Medicine and Pharmaceutical Science of the University of Douala, where he became a doctor of medicine. He is also an author. He wrote the book Le Modificateur d'Avenir, which was published in Edition Edilivre in France. He is the founder of the telemedicine application That Health Again, a mobile application that allows any patient, regardless of their geographical location, to discuss in real time and free of charge with a medical health professional via smartphone or a computer. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Eman Eloi Monkam. Good afternoon, Dr. Eman Eloi Monkam. Bon après-midi, Dr. Jenan. Merci à tous les panélistes. Merci pour l'invitation cet après-midi. Je suis heureux d'être parmi les vôtres et j'apporterai ma modeste contribution sur les procédures et sur les initiatives qu'on a mis en place à notre entreprise, notre hôpital, pour permettre aux Camerounais de bénéficier des soins de santé à bas coût. Thank you, Dr. Monkam. The second panelist is a dedicated medical doctor. She holds a master's degree in international relations. Currently, she is a field epidemiologist resident who serves at the Department of Family Health at the Ministry of Public Health. She previously served as senior staff at the Department for the Disease Control, Epidemics and Pandemics of the Ministry of Public Health in Cameroon. She was a team leader for the National Rapid Response Against COVID-19. It has been 6 years since she has been appointed as executive director of a nonprofit organization called
Yoheda Mongwish, the best blog article during the United Nations 75th birthday, and the best specialized fact checker in Cameroon by Defi Heads Now. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, accueillons le docteur Myriam Hemes Ndjimenye Kwa. Bon après-midi, docteur Ndjimenye. Hello, bon après-midi, docteur Bruna. Bon après-midi à tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et j'espère que cette session sera très intense et très ouverte pour tous les participants. Merci. Merci. The third panelist is a medical doctor and a senior health researcher at Carrefour Policy Institute, a think tank at the Denise and Lenora Foretta Foundation in Yaoundé, Cameroon. Before his appointment, he was a volunteer research assistant under Professor Bright Nwaru at the Crafting Research Center in Gothenburg, Sweden, during which he conducted various researches in global health and contributed to various systematic reviews to synthesize existing evidence on major global health issues. Between 2012 and 2018, Dr. Ngo worked as a clinician at the Federal Medical Center in Kefi, Nasarawa State in Nigeria, and rose to the position of senior medical officer in chief and chief resident in charge of training. In that same institution, he worked in different clinical departments, including surgery, medicine, pediatrics, obstetrics, gynecology, clinical hematology, accident, and emergency. He also coordinated the HIV/AIDS program at Innovative Biotechnology. Currently, he's the project lead of the Bonfide for the Bonfide Prenatal Management System, which is a two-way aid for pregnant women. Dear audience, a warm welcome to Dr. Ngo Valerie Ngo. Dr. Ngo Valerie, good afternoon. Thank you, Dr. Bruna, for the opportunity, and I want to also appreciate the organizers for giving me this opportunity to participate in this webinar. Thank you, Dr. Valerie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, notre dernier panéliste est médecin diplômé de l'Université nationale mémoriale de Pirogov en Ukraine, parlant couramment quatre langues, parmi lesquelles Mbankon, français, anglais et russe. Elle exerce actuellement à l'hôpital central de Yaoundé au centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. En tant que médecin addictologue, cette amoureuse du travail y a fait ses classes au service des urgences médicales pendant 3 ans. Durant lesquelles le compte la prise en charge globale du patient. Membre actif de l'Association des médecins du Cameroun, en abrégé MEDCAMER, depuis 2016, elle en est la présidente depuis 2022. Préoccupée par la condition humaine en général, elle est également membre actif du Soka Gakkai International, mouvement bouddhiste en faveur de la paix. Pour elle, il faut mettre l'humain au centre des préoccupations. Et c'est fort de cela que son mandat a pour slogan MEDCAMER, Community Builders, axé sur le bien-être des communautés. Souhaitons la bienvenue au docteur Kem Marilène. Bon après-midi, docteur Marilène. Bon après-midi, bonsoir à tous, bonsoir à tous les panélistes. Je suis très heureuse d'avoir finalement pu rejoindre cette réunion. Je voudrais saluer les organisateurs pour cette brillante initiative. Et salue également les panélistes et tous ceux qui nous suivent. Merci. Thank you, dear panelists, for accepting this invitation to participate to this exchange. So, pour planter le décor, je voudrais demander au docteur Kem, qui est-ce qu'on considérerait ici comme un prestataire de soins? Alors, merci pour la question. C'est Kemé. Oh, merci. Mille excuses. Donc, non, il n'y a pas de souci. Donc, alors, Les prestataires de soins aujourd'hui sont vraiment variés et divers dans notre environnement. Ils ne se retrouvent pas uniquement en milieu hospitalier, donc ce qu'on peut trouver comme médecins, paramédicaux, médicaux, mais également on a des acteurs de la santé qui font également de la promotion en termes de laboratoires, biomédicaux, en termes de laboratoires instrumentaux, comme par exemple qui font de la radiologie, des échographies. Mais on a également d'autres prestataires qui offrent un soutien, par exemple comme des assurances de santé, qu'elles soient
public au privé. Merci. Docteur Monkam, quelle est votre opinion générale sur les paiements directs de santé élevés au Cameroun? Alors, ce qu'on a remarqué avant de lancer le projet, justement, c'est que la plupart des patients vont en pharmacie. Quand l'enfant a un problème, quand le papa a un problème, il va pas à l'hôpital. Le premier réflexe, c'est aller en pharmacie, justement, parce qu'on s'est dit, si on va à l'hôpital, on va payer la consultation, ça sera cher, on va payer des examens, ça va revenir cher. Et ils ont trouvé un raccourci, en fait, c'est la pharmacie. Juste que la pharmacie, c'est pas un centre hospitalier. C'est pas... Il y a une observation médicale que nous, médecins, nous pratiquons pour pouvoir avoir un diagnostic et prescrire des médicaments. Mais les patients préfèrent ce raccourci s'ils ne vont pas prendre des médicaments de la rue. Donc, globalement, la population pense que l'hôpital coûte cher et parfois c'est avéré. Et il était question donc de voir dans quelle mesure des prestataires privés pouvaient réduire le gain personnel, déduire sur le bénéfice, on va dire comme ça, pour essayer d'offrir des soins de qualité à bas coût à la masse de la population en général. Ce n'est pas évident parce que les prestataires vont perdre de l'argent forcément et donc diminuer leur marge. Mais si on veut réfléchir pour le bien du patient, il faut parfois faire des sacrifices. Merci, docteur Monkam. Il est clair de votre propos que le fait d'aller directement en pharmacie pour la personne lambda est aujourd'hui perçu comme un moyen de limiter les coûts. Mais malheureusement, c'est souvent au risque et péril du patient. Donc, Dr. Valerie, does the quality of health services reflect huge out-of-the-pocket expenditure, according to you, Dr. Valerie? Can you hear me? Yes, loud and clear. Okay, thank you so much. When you want to talk about the quality of healthcare delivery, you want to look at the effectiveness, you want to look at the safety, you want to also look at accessibility, equity with respect to how people access healthcare. Now, when you look at the out-of-pocket expenditure, the name itself tells you that people have to spend from their pocket. And to some extent, there is no equity. There is no equity, and because of the fact that not everybody will be able to access healthcare whenever they want, where they want, and using whichever means they can. So out-of-pocket expenditure is just one of those disadvantages that our healthcare system currently is facing. And you cannot guarantee an effective healthcare delivery with the nature of healthcare system we have. So it is actually, I would say as a person that the quality of healthcare delivery we have with respect to the out-of-pocket expenditure we are experiencing, patients have in Cameroon, it's not to the best of what is expected because there are issues with accessibility, effectiveness, and then to talk about equity, safety, and trust. Thank you, Dr. Valerie. So from what are considered as standards in terms of quality of health, you cannot say that the quality of health services really reflects the huge out-of-pocket expenditure. Yes, so, because if I want to expand more on that, you see, when you want to assess the quality of any healthcare delivery, you have to start looking at it from the personnel that are involved. You want to look at the facilities that are available, and they also want to look at other aspects like the drugs. And then if you go deep, you check if the life expectancy of Cameroonians reflects the amount they invest in the sense of out-of-pocket expenditure. I think although if you want to compare the life expectancy of Cameroonians between 2000 to 2022, we may say there is some level of improvement. I think currently the average life expectancy of Cameroon is about 59 years, which was basically about 50 years, like 10 to 15 years back. But we cannot actually say it is because of an improvement or an efficient healthcare delivery system. There are so many other factors that have clearly contributed to this aspect of life expectancy, not basically should relate to out-of-pocket expenditure. Thank you, Dr. Valerie.
Docteur Ndjimenye, est-ce que vous avez un avis sur la question? Pensez-vous que la qualité des services de santé est proportionnelle au coût des paiements directs? OK, merci beaucoup pour la question. Donc, à la suite de ce que mon prédécesseur a dit, il faudrait déjà dire que ça dépend vraiment de l'endroit où on se trouve, que l'on soit en milieu rural ou en milieu urbain, qu'on fasse affaire à un service privé ou public, on peut avoir des coûts différents. Donc, ça, c'est vraiment dépendant de ce que déjà la personne a, ce dont la personne a besoin comme soin, ce que la personne dispose comme moyen. Mais de façon générale, il faut dire qu'il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place pour que le citoyen lambda ait quand même un minimum de soins qui puissent lui être fournis lorsqu'il est malade. Que ce soit à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, donc peu importe si on se trouve au niveau du centre de santé intégré, si on se trouve au niveau du centre médical d'arrondissement, dans un hôpital de district, dans un hôpital régional ou un hôpital central ou général ou spécialisé. Donc, ça dépend vraiment de la pathologie, ça dépend de ce dont le citoyen dispose. Donc, je pense vraiment qu'il faudrait nuancer cette question. OK. Merci pour cette réponse. Et je voudrais donc comprendre, je voudrais donc que vous nous donniez un peu plus de détails sur ces choses qui sont mises en place pour que le citoyen lambda ait accès aux soins où qu'il soit ou qu'il se trouve selon sa classe sociale et son rang. D'accord, merci beaucoup pour la question. Déjà, il faut savoir que la santé, c'est un bien public mondial. C'est un droit fondamental des êtres humains. Ça veut dire tout individu, quel qu'il soit, peu importe sa race, son origine, son sexe, sa nationalité, a droit à la santé. Donc, du coup, de ce fait, c'est pour cela que la santé relève d'abord d'une préoccupation de l'État, parce que ça entre dans les prérogatives de tout État d'assurer à ses citoyens une santé de qualité. Donc, c'est dans ce sens qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place au sein au niveau de l'État pour assurer, pour garantir aux citoyens une bonne santé. Et quand on parle de santé, souvent, on a tendance à juste voir les soins directs qui sont fournis. Mais il faut savoir qu'en amont, il y a toutes ces politiques qui sont mises en place. Il y a la prévention des maladies, il y a la promotion de la santé. Et bien entendu, après, on a les soins curatifs. Merci. Donc, par exemple, actuellement, il y a plusieurs projets. Bon, si on veut revenir un peu. OK. Oui, allez-y. Vous avez encore un peu de temps. OK. Donc, si on peut citer quelques exemples. Vous voyez, au Cameroun, par exemple, la prise en charge, la prévention, la préparation aux urgences de santé publique est totalement gratuite et assurée par l'État. Donc, vous avez vu, c'est par exemple dans ce cadre que pour COVID-19, alors que dans d'autres pays, par exemple, le citoyen devait payer de sa poche, au Cameroun, c'est complètement gratuit lorsqu'on est malade, que ce soit le dépistage, la prise en charge, c'est pris en charge, même la vaccination, c'est gratuit. On a d'autres activités gratuites qui sont mises à disposition des citoyens, notamment vous avez la gratuité des soins lorsque les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes ont le paludisme, vous avez la politique des kits obstétricaux, vous avez beaucoup de projets comme ça qui sont mis en place par le gouvernement pour vraiment apporter une santé de qualité suffisante parce qu'il y a encore beaucoup de manquements. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on parle de politique de santé, il y a toujours quelqu'un qui paye, il y a toujours un tiers payeur. Et malheureusement, dans nos pays, la part de l'État n'est pas encore suffisamment importante. Du coup, le citoyen se retrouve encore en train de sortir beaucoup. OK. Merci beaucoup, Dr. Ndjimenye, pour ces éclaircies. Donc, il apparaît clair que des efforts sont faits par le gouvernement. Il apparaît également clair que ces efforts ne sont pas suffisants. Et dans ce sens, je voudrais poser la question qui suit au docteur Kim. Docteur Kim, les Camerounais font face à une crise économique et sociale caractérisée par l'inflation, la hausse des taxes, l'augmentation du coût des soins de santé et des médicaments. Dans un tel contexte, les actions du gouvernement sont clairement insuffisantes pour apporter une solution durable. Quelle alternative pourriez-vous proposer à cela? Merci beaucoup. Je pense effectivement que nous sommes dans un contexte où la santé est une préoccupation de tous, c'est une préoccupation globale. Ce n'est pas qu'une question du gouvernement et on pourrait aller plus loin en disant qui est le gouvernement? Le gouvernement, c'est vous et moi, c'est nous tous. Donc, nous pouvons également, chacun en ce qui le concerne, mener une réflexion pour pouvoir apporter des solutions, n'est-ce pas, au gouvernement, aux responsables qui sont là pour mener le pays vers des objectifs précis, dans le but, n'est-ce pas, d'aider, de contribuer à cette politique de santé. Donc, effectivement,
au-delà de ce qui a été fait, le docteur Myriam l'a relevé tout à l'heure, en parlant de toutes les départements ministériels, que ce soit la promotion de la santé, que ce soit tous ces éléments-là qui sont déjà en place, les programmes, programme paludisme, programme tuberculose, etc., qui sont déjà là. Qu'à cela ne tienne, il est important que d'autres instances, les organisations de la société civile, à l'instar de Maître Kamer, puissent apporter leur pierre à l'édifice. Et c'est dans ce sens-là que Maître Kamer a commis en 2016, n'est-ce pas, un manifeste qui est un peu le diagnostic du système de santé, mais avec des solutions concrètes, justement, sur comment donc faciliter, comment améliorer. Mais ces solutions-là participent de toute une politique de santé, mais une politique beaucoup plus globale, c'est-à-dire qu'il faut améliorer le PIB du Cameroun, il faut améliorer le panier de la ménagère, il faut donc améliorer les conditions de vie des citoyens de manière générale pour qu'ils puissent, que ça ait un impact, n'est-ce pas, sur leur revenu, qu'ils puissent également pouvoir se soigner de manière digne, de manière conséquente. Donc effectivement, les organisations de la société civile doivent, pas qu'elles peuvent, mais elles doivent et se doivent, c'est un devoir, de pouvoir mener des réflexions, apporter des solutions concrètes pour améliorer la politique globale de santé. Merci, Dr. Kem, de nous envoyer sur ce chemin d'impliquer davantage les organisations de la société civile à la table décisionnelle qui concerne leur santé. Si vous permettez, Dr. Mbouina, je voulais poser une question, Dr. Kem, mais lorsqu'elle parle de la société civile... S'il vous plaît, c'est okay. Moi qui m'aide. D'accord. Okay. Peut-être que par après, vous aurez la possibilité de discuter avec le docteur Kemé, mais pour le moment, prenez votre mal en patience. Merci beaucoup. D'accord, merci docteur. Donc, pardon. So, Dr. Valérie, so, looking at the answer that Dr. Kemé proposed concerning the civil society organization, what other solution could be put on the table to find a sustainable solution for people to have more access to health, according to you? Thank you for the question. You see, universal health coverage is the basic tenet for every individual and is one of the expectations that everybody is expected to have access to. And if you look at one of the easiest methods in which universal access of healthcare can be assured for citizens in a country is through a sustainable health insurance. Now, health insurance is, a kind of a little bit expensive investment for every government, but there are a lot of ways in which government could actually go about it. Now, the first thing you can look at there is that in Cameroon, we don't actually have a comprehensive health insurance coverage for citizens. So because of that lack of comprehensive health insurance care, people have to use other methods of getting health insurance. And to make sure for government to be able to achieve this comprehensive health insurance scheme, there are a lot of other things government can do. One of it is to ensure that people have mandatory contribution through probably tax system that could be used as a means of funding health insurance. For us to actually understand what health insurance, how it works is that health insurance is basically a pool of funds whereby people contribute an amount of money, either voluntarily or involuntarily. When I say involuntary, I mean through compulsory contribution into a pool. Someone said that those who are in need of healthcare, that actual pool can be used to finance healthcare, and then that is going to improve access and utilization of healthcare services. So for government to be able to ensure that this pool is sustainable, they have to ensure that there are policies that give people the access to do either voluntary or mandatory contribution into this pool. And if you also look at it again, is that even though if this pool is available, what we call premium contribution into the health insurance scheme should be made in such a way that people can actually afford it. If you look at the Cameroon system, we have a very high unemployment rate. And even among those who are minimally employed, most of them are in the informal sector. So, and the aspect of
universal basic income, I mean the national basic income of Cameroon, to some extent is not really respected. So if these issues actually take into consideration that these policies are implemented, those who are actually supposed to make contribution into a mandatory insurance scheme are respected, government ensures that the premium that people are supposed to contribute is affordable, and if there is going to be any form of co-payment, the co-payment also should be made in such a way that people can also afford it. So if all this actually put together, and then one aspect again is that insurance is a scheme where you contribute money and you don't actually know when you're going to be sick. And when people tend to feel that when they make contribution into an insurance scheme, irrespective of the amount, and at the end of the year, they don't use it, or even if they're going to use it, it should be made in such a way that the process of them getting access to whatever they contribute is easy. The process should be simple. People should also be educated adequately to know how they can actually access this fund whenever they need it. And then there should be some aspect of a guarantee that when you need the fund you contribute into the insurance scheme, you can access it whenever you want. And then with all this put into place, people will be encouraged to participate in any form of insurance. And that's going to actually improve access and utilization of healthcare services. Thank you very much, Dr. Valerie, for letting us know a little bit more about how health insurance are functioning. So as we understood, people keep like giving some money in sort of subscription. And at the end of the process, they are supposed to get to be taken in charge when they face an issue, which is not always the case. And that raises a problem. So, Dr. Njimeni, suite à la question, la réponse de Dr. Valérie, je voudrais écouter votre avis sur les différents régimes d'assurance maladie privée à l'initiative des prestataires de services de santé. Dr. Bruna, s'il te plaît, je peux répéter la question. Je n'ai pas très bien saisi la fin. Oui, la question est de savoir quels sont les différents régimes d'assurance maladie, d'assurance santé privée à l'initiative des prestataires de services au Cameroun. OK, donc je ne vais pas revenir sur ce que Dr. Valérie a dit. C'est clair. Mais normalement, lorsque nous sommes au Cameroun, par exemple, on a plusieurs façons de financer les soins de santé. On a normalement une patiente qui est prise en charge par l'État, donc ce qui est couvert gratuitement par l'État. On a ce que le citoyen normal ou le citoyen lambda paye directement de sa poche lorsqu'il va, ce sont vraiment les coûts directs. Lorsqu'il va, par exemple, comme tout à l'heure, à la pharmacie, bien, il part dans un hôpital et il paye directement. Et maintenant, on a aussi le système d'assurance privée où, comme docteur Valérie vous le disait tout à l'heure, il y a des sociétés qui sont en place et qui, lorsque on a eu des cotisations en amont, c'est de certaines réductions et de bénéficier d'un rapport lorsqu'on est malade. Bon, à côté de cela, il faut aussi dire qu'il y a le système de certains acteurs aussi, que ce soit des entreprises qui ont peut-être, s'il y a des chefs d'entreprise qui ont bien voulu ou bien qui normalement doivent faire inscrire leur personnel. Donc, on a tous ces différents modes de paiement des soins au Cameroun. Maintenant, pour ce qui est des assurances privées, il y a beaucoup de sociétés qui sont sur la difficulté qu'on a avec ces sociétés, qu'elles sont inégalement reparties sur le territoire national. Donc déjà, du fait qu'on se trouve en milieu rural ou en milieu urbain, on n'aura pas accès aux mêmes opportunités. Et également, ces assurances privées, généralement, vont être plus tournées vers un certain style de personnes ou bien vers... Ils ont une catégorisation des populations qui les intéresse. Donc, ce sera vraiment beaucoup plus le citoyen normal qui peut avoir un minimum de salaire ou bien qui a un minimum de garantie pour pouvoir payer ses cotisations. Et généralement, les personnes qui sont exemptes, que ce soit les enfants ou bien les personnes très âgées, n'ont pas facilement beaucoup à ces soins parce que généralement, c'est que les personnes qui sont plus exposées à des maladies également, ceux qui souffrent déjà de pathologies amont. Donc, je pense que le système d'assurance privée, surtout dans notre contexte, est encore aussi très, comment dire,
très inaccessible. Franchement, c'est inaccessible parce que même lorsque vous voyez les coûts, les cotations effectuées, ce n'est pas évident pour tous les citoyens. Merci, docteur Jiménie, pour cette réponse très détaillée et échelonnée. Docteur Moncam, s'il vous plaît, voudriez-vous partager votre expérience de mise en place d'un régime d'assurance maladie dans le cadre de la Fondation médicale That Hurt Again? Et aussi, ça nous intéresserait beaucoup de savoir quels sont les défis et les opportunités que vous avez rencontrés au cours de la mise en œuvre de cette initiative. OK. L'idée était pour nous de permettre à chaque personne de pouvoir déjà rencontrer un médecin. C'est la base de l'idée de ce qu'on appelait la couverture médicale TEA. Nous avons donc décidé de mettre un prix très, très infime, 10 000 francs l'année par individu et 25 000 francs l'année pour un individu et ses membres de la famille au choix. Et dans le paquet justement des 10 000 francs l'année, l'individu avait la possibilité de se consulter gratuitement N fois au cours de l'année parce que, comme les médecins le savent, le problème c'est déjà de savoir, pour que le patient sache bien ce que le problème du malade avant de l'orienter. Et les patients justement, ils ont recours à des pratiques, soit les médicaments de la rue, soit directement à la pharmacie, comme tout à l'heure on l'a dit, soit les soins alternatifs, comme on dit la médecine traditionnelle. Donc, il fallait accéder aux médecins. Donc, là, on a mis ce projet sur pied. Ensuite, il fallait convaincre les spécialistes avec qui nous travaillons de mettre, pour ceux qui sont affiliés, des consultations à bas coût, c'est-à-dire pouvoir consulter un ORL ou un pédiatre à 5 000 francs au lieu de 15 000 francs qu'on se fait en clinique pour les patients qui sont affiliés chez nous. Pouvoir consulter une gynécologue à 5 000 francs au lieu de 15 000 francs qu'on s'est fait partout en clinique, toujours dans les 10 000 francs qu'il aura payé, pouvoir être pris en charge sans caution, parce que ce problème dans les structures privées, c'est quand le patient arrive, il a payé une caution avant d'être pris en charge. Sinon, on va le référer dans une structure publique. Donc, l'idée pour nous était, OK, vous êtes affilié chez nous avec vos 10 000 francs, vous avez un plafond de 80 000 francs sur 48 heures, et on peut vous prendre en charge dans un intervalle de ce montant-là, même si vous ne payez pas. Il y a un risque qui est très élevé, et c'est pourquoi la plupart des clients même ne s'aventurent pas, c'est que le patient, au bout de 48, effectivement, peut aller mieux et sortir, n'est pas payé, on ne peut pas le retenir, ce n'est pas une prison. Et du coup, la clinique aura perdu de l'argent, en fait. Mais c'était un risque à prendre parce que j'avais la ferme conviction que de pouvoir secourir un patient en privé qui a une urgence médicale sans lui demander de l'argent. Donc, on a dû batailler pour que les spécialistes acceptent ce forfait-là à l'intérieur du package, avec la gratuité aussi sur le séjour d'hospitalisation, les deux premiers 48 heures. Donc, l'idée pour nous était d'offrir et les consultations gratuites du généraliste, du spécialiste à très bas coût, une prise en charge sans caution en cas d'urgence, une gratuité sur les journées d'hospitalisation, une réduction sur les examens de 30% à peu près. Et évidemment, il va payer des médicaments à ses frais. Mais au moins, là, on pouvait garantir que le patient qui arrive sera consulté avec ses 10 000 francs pour l'année. Il aura un diagnostic, ou alors une hypothèse diagnostique. Il aura, s'il a une urgence médicale, il sera pris en charge. Et s'il a de l'argent, il pourra faire des examens avec une réduction de 30%. Et éventuellement, s'il décide d'avoir un spécialiste, il peut payer le prix normal de 15 000 en clinique, il paiera 5 000 francs. La difficulté réelle, c'est les médecins, parce que, vous savez, on crée un hôpital, au fond, c'est une entreprise aussi. Il faut payer les charges, il faut payer les nécessités, il faut payer les employés à la fin du mois, les infirmiers et tout. Donc, réduire ces charges-là, c'est très compliqué parce qu'à la fin du mois, les charges, les employés sont là, ils doivent être payés avec les médicaments, le roulement. C'est très compliqué. Mais moi, j'avais la conviction qu'on peut prendre sur nous, en fait, pour offrir ça aux populations. Et en 2 ans et demi, à peu près, on a réussi à avoir 3000 souscriptions à peu près. 3200, je pense, très bien. Dans la zone de Douala uniquement, on n'est même pas sorti de la ville. Juste pour un essai, l'idée pour nous, c'était vraiment de voir si on pouvait convaincre ces patients de s'affilier à un hôpital privé, avoir accès aux médecins illimités gratuitement, avoir des soins à bas coût, un montant de 10 000 francs l'année pour une seule personne. Et les patients ont plutôt bien répondu. Les médecins, par contre, j'ai dû battre avec eux tous les jours pour qu'ils puissent prendre ces tarifs, le patient. Mais ça a pris quoi? Je pense que
pour terminer, la volonté doit venir en fait d'un promoteur d'une structure ou alors de ceux qui sont à la tête parce que on va pas toujours gagner, mais on peut mettre sur pied un mécanisme qui permette au moins au bas peuple, ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir bénéficier du basique en fait. Ça peut permettre de l'éducation du patient déjà à domicile, aux alentours, parce qu'il pourra dire, au lieu d'aller à la pharmacie, au lieu d'aller, bon, pas directement à la pharmacie, au lieu d'aller au quartier où les médicaments indigènes, rencontrer les médecins, et c'est ça le souvent le plus dur en fin de compte, c'est l'accès aux médecins, surtout dans les zones. Que ce soit en périphérie, que ce soit en centre-ville, c'est l'accès aux médecins le plus dur parce que ça coûte en privé 15 000 ou 10 000. Vous imaginez, c'est le patient vous dit souvent, je veux faire la consultation, les examens et les médicaments avec 10 000 francs. C'est parce que c'est ce qu'il a en fait, en fin de compte, comme le docteur Valérie Ngo le disait, c'est ce qu'il a en fait, en fin de compte. Donc, ça vient de la part des promoteurs et des chefs les promoteurs d'hôpitaux et chefs d'entreprise, ceux qui sont à la tête en tout cas, de prendre sur eux, de dire on va perdre sur ce côté-ci pour offrir quelque chose d'intéressant à la population. En gros, merci. C'est un peu comme ça que je repousse. Merci de montrer qu'avec de la volonté, des choses peuvent être faites. Mais je voudrais comprendre davantage comment vous pensez rendre ce. Et pensez-vous que si vous avez 5 000 ou 10 000 souscripteurs, vous aurez toujours la capacité de maintenir le système viable tel qu'il est actuellement? Vous répétez la première question, s'il vous plaît. Pas très bien suivi la première question. C'est celle de savoir, avec ce que vous faites déjà, jusqu'à. Pendant combien de temps pensez-vous pouvoir maintenir le système viable? Et la deuxième question est de savoir si vous débordez les 3 000, puisqu'actuellement vous êtes à 3 000 souscripteurs, est-ce que vous pensez que si vous allez à 5 000, 10 000 souscripteurs, vous allez continuer à maintenir le système sans être toujours en train de batailler avec les médecins? Parce qu'à the end of the day, le médecin doit aussi avoir quelque chose qui lui permet de vivre décemment. En effet, déjà, on n'a pas de plafond. L'idée pour nous, c'est d'abord de faire une phase pilote. Je me suis donné 3 ans avec l'équipe pour Douala. On a 2 ans et demi à peu près. Après, voir dans quelle mesure on pouvait avoir des partenaires ou alors créer de nouvelles structures dans d'autres villes comme Yaoundé, comme Bafoussam, où il y a beaucoup de populations, des agglomérations. C'est ça l'idée, Bolova, et centre de région, en fait. C'était ça l'idée. Et ça se fera progressivement avec les partenaires qui nous ont déjà rejoints. On a quand même une quarantaine de partenaires, il faut le dire aussi, qui ont suivi l'aventure. Maintenant, pour ce qui est de la viabilité, honnêtement, c'est comme je dis, c'est la tête du promoteur qui se dit on va perdre quelque part pour gagner ailleurs. Parce que qu'on soit 5 000, 10 000, 15 000 affiliés, en fait, imaginez, il a payé 10 000 francs, c'est-à-dire que quand je viens à l'hôpital, je ne paye pas la consultation du médecin général. Est-ce que nous, on paye à la fin du mois? Je ne paye pas la chambre. Si j'ai une urgence médicale, on me prend en charge. Et à la fin des 48 heures, il peut ne pas payer. Vous avez dépensé 70, 80, même 100 000 suivis, il ne paye pas. Il part parce qu'il y en a qui sont partis. Non. Il y en a beaucoup de pertes, effectivement. Donc, il faudrait que le promoteur ou les dirigeants se disent, OK, on va accepter de perdre une partie, mais comme nous sommes cliniques conventionnelles, on va gagner ailleurs, peut-être sur les prestations conventionnelles avec des patients assurés, sur le suivi avec des entreprises partenaires. C'est ça l'idée, en fait. C'est qu'il faut accepter de perdre une partie volontairement. Et au fond, on est médecin parce qu'on a décidé de sauver des vies, parce qu'on essaie d'apporter un plus à la population en général. Donc, si on peut décider nous-mêmes de perdre une partie de notre gain qu'on pourrait majorer parce qu'on veut aider les gens, je pense que c'est très humain, c'est ce qui anime chaque médecin au fond avant de choisir ce métier. Et comme je l'ai dit, le plus dur, c'est la tête parce que dans une structure privée, c'est les dirigeants qui décident de la stratégie de l'orientation de l'entreprise, en fait. Et s'ils décident qu'OK, on va perdre sur notre gain parce qu'on veut aider les Camerounais, les populations, ils vont gagner de l'argent parce qu'il y a des prestations conventionnelles à côté, je le dis encore, des assurés, des entreprises, etc. Mais ils vont déduire une partie au peuple, en fait. Et c'est là où le caractère humain de notre métier, en fait, ressort parce que je pense que la médecine est très humaine à la base et c'est pour ça que ça devrait venir des chefs, en fait. Merci, docteur Moncamp, merci beaucoup. Merci pour ces éclaircies qui montrent que vous avez un plan d'action clair pour faire vivre That Health Again et surtout qui montrent aussi clairement que vous avez du support d'autres personnes pour
continuer cette aventure. Donc, docteur Kédessin du Cameroun, et quels sont les défis rencontrés dans son implémentation? Et une question supplémentaire serait de savoir quels sont les bénéficiaires de ce système d'assurance proposé. Merci bien. Donc, j'espère avoir bien suivi la question parce que justement au début, c'est... Mais je pourrais la répéter rapidement. C'est de savoir comment fonctionne le système d'assurance proposé par l'association MedCamer et quels sont les défis rencontrés dans son implémentation et enfin, qui en sont les bénéficiaires? Alors, nous avons donc contracté il y a 2 ans. À peu près une assurance avec Atlantic Assurance. Nous avons contracté il y a à peu près 2 ans donc une assurance avec le groupe Atlantic Assurance qui est donc un groupe de promotion qui fait dans les assurances des entités. Mais ils se sont intéressés, n'est-ce pas, à MedCamer comme organisation de médecins. Et puis il y a donc le volet Assure tous. Qui nous a donné donc une partie d'assurance. Donc, de manière générale, c'était quoi? C'était moins 40% pour les médecins faisant partie de MedCamer et moins 10% de tarifaires pour les familles des médecins faisant partie de MedCamer. Donc, ça, c'était la base de tarifaires qui ont été proposés à MedCamer. Donc, moins 40% pour les médecins de MedCamer, moins 10% pour leur famille, s'ils souhaitent, n'est-ce pas, affilier leur famille à cette assurance-là. Donc, on avait trois volets principaux, Assure Santé Medium, Assure Santé Premium et Assure Santé Gold. Donc, pour Assure Santé Medium, c'était 72 000 francs à payer par an, pour avoir différentes prestations à travers le Cameroun. Donc, c'était un taux de couverture de 100% avec un plafond de 1 million de francs. Donc, c'était des personnes qui pouvaient aller dans des hôpitaux, des centres médicaux d'arrondissement, des hôpitaux publics, des centres confessionnels. Et par exemple, on pouvait avoir une hospitalisation à hauteur de 15 000 francs par jour. On n'avait pas de soins oculaires, donc pas de soins d'optique. Mais par contre, on pouvait avoir donc de la dentisterie une fois par an. On pouvait avoir une prise en charge d'un accouchement simple, d'un accouchement gémellaire ou alors l'accouchement chirurgical s'il fallait par exemple faire une césarienne. Et il y avait également des frais funéraires. Donc ça, c'était pour quelqu'un qui a déboursé 72 000 francs, n'est-ce pas, par an. Maintenant, il y avait l'assure santé premium. Pour une personne qui a déboursé, par exemple, 95 000 francs, c'était également une couverture dans le pays à 80% cette fois-là. Pour un plafond de 2 millions de francs, cette personne avait accès à tout type d'hôpitaux, tout type de formations sanitaires, que ce soit les hôpitaux privés, les hôpitaux publics, les formations confessionnelles. Et on avait quand même des frais d'hospitalisation qui allaient jusqu'à 17 000 francs par jour de couverture. On avait également la possibilité d'avoir des soins oculaires. Donc, si quelqu'un avait un problème d'yeux, il avait la possibilité d'avoir une consultation. La dentisterie, à ce moment-là encore, les frais de dentisterie augmentaient. Ils étaient cette fois-là à 170 000 francs. On pouvait avoir une prise en charge d'un accouchement simple, accouchement gémellaire ou bien une chirurgie, une césarienne. Et on avait également la possibilité d'avoir donc des frais pour funéraires. Et donc maintenant le gold, ce pourquoi on a encouragé même les médecins MedCameriens à donc postuler, c'était donc Assure Santé Gold à 115 000 francs par an. Donc pour ce forfait là, merci beaucoup. Pour ce forfait là, on avait donc 80%. On avait un plafond de 3 millions de francs et puis donc, des prestations qui étaient beaucoup plus riches, beaucoup plus appréciables sur le plan des frais à débourser. Voilà. OK. Merci beaucoup, Dr. Nkeme. Donc, merci de nous faire comprendre clairement que ce sont les médecins. Vous avez pensé aux médecins, vraiment. Les médecins et leurs familles. Oui, en fonction des capacités des uns et des autres. Donc, nous sommes tenus par le temps. Et pour finir cette session, je voudrais poser une dernière question, qui est celle de savoir quelles actions est-ce qu'on peut mener pour vraiment, quelles
politiques concrètes peuvent être mises en place par le gouvernement pour soutenir les initiatives des prestataires de soins visant à promouvoir l'assurance santé privée? Pour cette dernière question, je voudrais inviter Dr. Valérie à donner son avis. So, my question was to know which actionable policies can be put in place at the level of the government to support initiatives from healthcare providers to promote private health insurance. All right, thank you for the question. Just like I talked before, similar to what you earlier asked, you see, it's all about government policies that have to support and the method in which contributions are actually made into the insurance scheme, the private insurance scheme. Just like I told you, Cameroon government has to be aware that the bigger majority of Cameroonians are actually employed in the informal sector. So there should be some policies that are actually going to guide employers both in the formal and informal sector on how to go about making contribution into healthcare insurance, whether it is a private or government-owned health insurance scheme. So there should be a mandatory contribution that is made in such a way that it reflects what people earn as their income. And then the contribution also, when I talk about contribution here, I'm referring to what we call in the insurance system as premium. The premium should be made in such a way that everybody can afford. And then the premium, if done, there should be some level of co-payment, if at all that is done, that is actually made in a way that people can also be able to afford. Then government should also make sure that the policy should be put in place to ensure that those who are actually providing private or which form of health insurance that might be available are actually monitored adequately to be able to give patients the trust, the guarantee that whichever form of insurance they make their contribution to, the payment is respected. So patients don't feel discouraged. Thank you very much, Dr. Valérie, for that answer. That is where we are going to stop for now. We have heard the voice of the experts, which is more specialized in global health. And of course, there is still a lot to do from the government side, as well as from the healthcare providers' side to promote private health insurance. Ladies and gentlemen, thank you very much for your time. Thank you very much for listening. Thank you for being with us. I would like to give you the possibility to ask your question if you have some. Oui, Dr. Ndjimeni. OK, s'il te plaît, Dr. Bruna, peut-être le temps que on ait les questions. Je voulais juste peut-être ajouter qu'on a aussi la couverture santé, celle qui est une opportunité actuellement. Qui en est à sa première phase. Donc déjà, les initiatives qu'on a eues aujourd'hui, c'est très intéressant, franchement. Donc je pense que c'est aussi l'opportunité pour le gouvernement, bon, comme Dr. Kemela dit, le gouvernement, c'est tout le monde, l'État, c'est tout le monde, de tenir compte de toutes ces initiatives-là pour qu'ensemble, on puisse offrir le meilleur des soins à la population. Et je pense aussi que les initiatives sont tellement intéressantes, souvent aussi un problème de communication, parce qu'on n'a pas souvent, on ne communique pas souvent assez sur les initiatives, que ce soit pour de potentiels autres partenaires, que ce soit avec les autres institutions, que ce soit avec la population même, qui souvent ne sait pas quelles sont les différentes offres auxquelles elle pourrait avoir accès. Et autre chose aussi, je pense qu'on pourrait peut-être vraiment insister davantage sur la coordination aussi, donc toujours pour aller dans le même sens de toutes les initiatives, parce que vraiment tout le monde, en fait, peu importe ce d'où on se trouve, le but final, c'est qu'on puisse accorder une santé de qualité à la personne lambda qui pourrait être dans un village, qui pourrait être au centre-ville et peu importe l'endroit. Et cela va aussi avec la bonne gouvernance, avec la redevabilité, avec tout ce qu'on peut connaître en matière de gestion, de finances, etc. Donc, c'est juste pour dire aussi merci encore pour la session qui était très instructive aussi pour nous. Et nous restons disponibles si par la suite on a d'autres préoccupations. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ndjimeni. Donc, Claire, do we have questions from participants? Okay, we have one question, and the person is an anonymous attendee. Says, what are the various communication channels which have been put in place by the government? So, Dr. Nkem or Dr. Ndjimeni, one of you, do you want to? Alors, je ne sais pas si je sais pas si on m'entend. I don't know what do you mean by the
you know, the channels that have been put in place by the government. Do you mean, and you want to maybe you have a message for the government, for example, or you want to I don't know. Okay, could you please clarify the question, because I didn't. Yeah. The question actually looks a little incomplete. Well, is it the communication channels about the health insurance, the health insurance available? Maybe it's about the promotion, maybe. In order to inform the population. Okay, thank you very much. We have a whole department at the public ministry, health ministry. It is health promotion department who is responsible of, you know, promoting sensitization everywhere. You would have, you surely seen people promoting, for example, cholera vaccination, malaria, this and that. These are, you know, staff from that special department who are working all over through the population to inform, to sensitize about all the health issues, actually. So maybe in terms of communication, in terms of sensitization, we have those agents that are on the field. Okay, thank you very much, Dr. Kemi. We just wish to remind our participants that they could drop their questions in the Q&A box, or they raise their hands and they'll be given the floor to speak. We take this next question from an anonymous attendee. The question says, please, can Dr. Monkam tell us what are the plans to make his solution available for more Cameroonians out of Douala? Okay, can I answer in French? Sure. Yes, Doug, you can answer in French. Okay. Okay, l'idée déjà, c'est de rencontrer des formations sanitaires déjà créées dans notre ville. Donc, on passe le Barfoussam d'ici le mois d'octobre déjà, et après, il y a Yaoundé. Et aussi, il y a des entreprises ou des hôpitaux partenaires qui veulent travailler avec nous, ils peuvent nous contacter. Il suffit d'écrire juste Fondation Médicale TH sur Google. Directement, vous tombez sur nous. On est le premier lien. Vous pouvez nous contacter à tout moment. S'il y a des hôpitaux qui veulent travailler avec nous. Notre plan, c'est Bafoussam, Yaoundé, et après, voilà d'autres villes. Et comme j'ai dit, la difficulté, c'est qu'on n'a pas d'accompagnement dans la mesure, c'est sur fond propre. Donc, c'est vraiment une volonté des gens qui croient encore en l'humain, qui croient en la médecine, qui croient qu'ils peuvent changer les choses de par leurs propres moyens, en fait. Donc, ce n'est pas un État qui nous jette de l'argent ou une entreprise privée qui a de très gros moyens. C'est nous qui avons dit on peut apporter quelque chose d'intéressant aux populations pour un système de soins à bas coût et privé. Donc, ça ne va pas être très, très facile d'aller très vite, mais nous sommes très, très déterminés. Donc, s'il y a des hôpitaux, par contre, des partenaires qui sont intéressés à nous contacter, n'hésitez pas, nous sommes disponibles pour d'éventuels partenariats pour aller plus vite, effectivement. Merci beaucoup, Dr. Monkam. Merci beaucoup, chers panélistes. Merci beaucoup, chers participants. Une dernière question. L'exonération fiscale des souscriptions aux assurances est-elle une solution viable pour encourager les populations à souscrire? Cher anonymous attendee, thank you very much for your question, but now the time is not allowing us to answer, but we'll surely be happy if you contact us privately to answer this question more clearly. So, Claire. I'm going to read this last contribution from another participant, Dr. Bernadette. She says health financing and out-of-pocket payments is huge. It's a huge topic. Thanks for initiating this discussion. The role of private sector to provide products and services cannot be overemphasized. Thanks for this session. Okay, thank you very much, dear participants. Thank you so much, our dear panelists. We are so grateful for you for taking out this time to be with us today and to enrich us
on identifying the concrete actions raised by healthcare providers to promote private health insurance in Cameroon. We look forward to having you again subsequently. And we also invite you all to follow our social media pages, to visit our website, www.foretiafoundation.org. Okay, thank you again, dear panelists, for your time. Thank you, dear participants, for staying all along till the end of this discussion. So at the end of this, we just understand that private health insurance is something that we can be more trustful with time, like within that. And there are possibilities out there, like that health again, like the... Please know that we've come to the end of today. Thank you very much, moderator, Dr. Bruna. Thank you very much to all the panelists and the participants. Thank you. Thank you for having us. Bye, everyone. Thank you again.